Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 1er novembre et je teste un nouveau truc. Tiens, je me suis dit, je vais faire comme ça. Je fais avec les moyens du bord, mais ça pourrait donner une petite, un truc plus sympa. Au moins, on me voit en même temps. Vous savez que je suis pas trop adepte de ça, de me montrer en vidéo. Le produit, c'est la star, c'est pas moi. Donc, je comprends. Attendez. J'avais la voix un peu enrouée, ça va beaucoup mieux. Donc, alors aujourd'hui, par cette vidéo, on va lancer le concours du mois de novembre, puisqu'on est le 1er novembre. On va donner aussi le gagnant du mois d'octobre. Donc, déjà, merci beaucoup. Ça, franchement, c'est le mois d'octobre, c'était vraiment le premier mois entier qu'on ait fait sur Tipeee. Donc, comme je vous ai dit à la vidéo du mois dernier, j'ai jamais voulu faire ça parce que moi, demander de l'argent, c'était au-dessus de mes capacités. J'avais pas envie, c'était pas mon délire. On travaille tous, on utilise notre argent personnel pour, même si on perd pas d'argent, hein, je vous rassure, on perd pas d'argent, sinon on arrêterait de faire ça. Mais voilà. Donc, depuis que Tipeee est en place, ça a bien marché le mois dernier. Franchement, merci à tous de vos dons. Donc, j'ai fait le tirage au sort avec Random numéro 89. Donc, le mois dernier, c'était une box Android. Donc, numéro 89. Je suis pas allé voir, je vais le voir de suite. Je vais le dire en direct. Enfin, je vais appuyer sur pause. Je vais aller compter jusqu'à 89 et vous dire qui a gagné. Voilà, donc j'ai fait le calcul. Le gagnant est Naruzaki. Voilà, c'est son pseudo. Je ne donnerai pas son nom, son prénom, bien sûr. Donc, je te contacterai très prochainement pour te donner ton adresse et pour t'envoyer la box Android. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Tipeee, donc je suis dessus. Là, on est déjà le premier. Il y a déjà 50 euros collectés. Donc, 17 tipeurs. En gros, ça veut dire qu'il y a 17 personnes qui font un don chaque mois automatique. Donc, merci à tous. Voilà, vous êtes un peu les abonnés Prime, on va dire, comme pour Amazon. Donc, merci à tous. Donc, pour ceux qui savent pas, Tipeee, c'est quoi? Donc, c'est une page que j'ai créée sur ce site-là. C'est une plateforme de financement participatif pour, en gros, remercier vos créateurs de contenu comme nous, les youtubeurs, pour ce que l'on fait, pour le travail que l'on accomplit. Donc, en gros, vous nous faites des dons chaque mois. Et voilà. Vous nous faites des dons chaque mois et ça m'énerve le petit truc, le petit carré, parce que vous allez le voir, le petit carré qu'il y a là, je vais essayer de l'enlever. Bon, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est pas grave. Donc, écoute, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Je vous disais quoi? Donc, du coup, en gros, si vous aimez ce qu'on fait, vous nous récompensez par des dons. Et en contrepartie, les youtubeurs. Donc, nous, on peut vous proposer des trucs en contrepartie en fait de vos dons. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est la priorité sur tous les achats. C'est le plus gros truc, c'est qu'en fait, dès qu'on reçoit un produit. Donc là, on le propose directement par mail aux tipeurs et en fait, les tipeurs peuvent l'acheter à tarif préférentiel. Donc on fait des bons prix. Donc suivant les téléphones, il y a des téléphones qu'on peut pas trop gratter dessus et les téléphones où on arrive à faire des prix assez intéressants entre 30 et 40% de moins du prix, du moins cher qu'on ait trouvé sur la Chine, bien sûr, sur le pays entier. Enfin, on est sur Internet, quoi. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, ça a bien marché. On a vendu pas mal de téléphones là-dessus, de produits là-dessus. Donc, au tipeur directement. Après, salut Cédric, t'apparaîtras en live. Peut-être que je me déconnecte. Non, ce serait mieux. Donc, après, on vous le propose aussi. C'est une tombola chaque mois. Donc, là, voilà, il y a eu à gagner la box Android. Donc le mois prochain c'est Jérôme, on va alterner un mois chacun. Le mois prochain c'est Jérôme, donc Jérôme il va vous offrir, alors ce sera un pack Xiaomi, je dis pas Xiaomi, je dis Xiaomi parce que bon on est en France et voilà, sinon ça se dit Xiaomi là-bas. Donc un pack Xiaomi, donc avec deux produits qui ont été testés en premier lieu, vous l'avez réclamé, le casque Xiaomi que j'ai d'ailleurs, moi j'utilise comme casque pour écouter, pour regarder des films, voilà, pour regarder la télé. Quand ma fille dort à côté, c'est très pratique. Donc du coup, ce casque Xiaomi qui est très bien. Voilà, qu'avec, on peut répondre même aux appels dessus. Donc c'est un casque qui vous coûte 41 euros. Et en plus de ça, dedans, le trépied Xiaomi qui fait trépied et en même temps qui fait, j'ai perdu le mot. Voilà, vous avez compris. Ah, il fait canne. Voilà, qui coûte une vingtaine d'euros. Donc voici les deux cadeaux du mois à gagner. Donc le principe est le même. Tous les donateurs sur Tipeur, tous les tipeurs rentrent dans la tombola en jeu. Et le mois prochain, le premier de chaque mois, je ferai le tirage au sort. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vu que j'ai fait le tirage au sort. Les actus du site, un peu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je suis en train de faire le Kubo P20. Vous aurez la vidéo ce week-end. Donc, Kubo P20 qui vient de chez Vito. Voilà, Vito Tech. Vito, une chaîne high-tech, pour ceux qui connaissent. Merci à lui d'ailleurs.
Il n'a pas testé, il a juste fait le déballage, donc je me charge de les tester moi. Et je l'ai déjà proposé au tipeur, il y a déjà un tipeur d'ailleurs qui m'a répondu. Pour donner un exemple, c'est un téléphone qui doit coûter environ 130-140 euros. Je l'ai proposé à, je sais plus combien, 90 euros frais de port compris. Donc c'est plutôt correct, ça fait une bonne réduction. J'ai reçu hier le Honor Play, donc pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook, le Honor Play. Donc je suis pas le premier, allez Honor, je suis jamais le premier. Autant j'arrive à être le premier sur beaucoup de téléphones comme... Alors j'ai pas mal de partenaires où je me suis bien avoir eu des contacts avec. Voilà, donc j'arrive à être premier sur pas mal de télé de marque, mais là sur Honor, non, je suis jamais. Hein. Je vais pas aux conférences, ça ne me donne pas gratuit. Non, vu que j'étais fait les téléphones chinois, c'est pas pareil, c'est différent. Donc sur Honor Play, qui est déjà vendu. Voilà, déjà vendu, je suis désolé, celui-là, il est réservé. Et les prochains seront pour vous. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je parlais un peu de la chaîne? Donc en ce moment, c'est pas trop ça, un nouveau début. Donc je comprends pas trop comment ça marche YouTube. Bon, après, je sais qu'on fait une petite chaîne high-tech qui est assez restrictif parce qu'on fait les téléphones chinois et que ça marche pas aussi bien que les téléphones vendus en France et qu'il y a, c'est une niche, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ça. Mais voilà, on était là, le moment où on a fait le Oppo Find X, c'est toutes les gros téléphones où on était les premiers, on a fait un carton, on était monté à 260 000 vues sur le mois. Là, on est redescendu à 180 000 vues sur le dernier mois. Pareil, nombre d'abonnés, on était monté. Là, on est à 736 abonnés le dernier mois. On monte doucement, mais au moins, voilà, j'ai 17 300 abonnés, mais c'est des vrais abonnés, quoi. C'est pas des gens que j'ai achetés. Ils sont là pour ce qu'on fait et c'est plutôt bien, même si il y a des vidéos. Là, la tablette de Jérôme, elle a fait 400 vues en un jour et demi. Bon, c'est voilà, voilà. On veut dire que sur 17 000 abonnés, le drone MeToo, où j'ai quand même, on a passé du travail avec Cédric, il a fait 800 vues. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le revers de la médaille. Il y a beaucoup d'abonnés, mais très peu de vues sur certaines vidéos. Donc du coup, voilà, on va peut-être faire un peu moins de smartphones. Hein. Enfin non, pas un peu moins, oui, un peu moins, en quantité j'ai envie de dire. Parce que bon, là, j'en fais 8 par mois. En ce moment, c'est pas trop ça, hein, niveau vente. Donc du coup, on essaie de réduire un peu, d'essayer d'être malin. On a pas mal de plans quelque part, mais voilà, je vais essayer d'en commander que 4 par mois pour plus vite. Voilà, 4 par mois, ça ira très bien. On en fera un peu moins. Et du coup, bah, à côté de ça, on a des téléphones de prêt, on a d'autres produits. On aura d'autres, mais on est deux de toute façon. Donc on va essayer de plutôt sélectionner des bons téléphones, plutôt de prendre tout ce qui bouge. Bon, on fera toujours du low cost parce que c'est des téléphones simples à revendre et qui ne nous font pas perdre d'argent. Ben, de toute façon, aucun téléphone ne nous fait perdre d'argent, mais voilà, on va pas acheter à perte pour revendre à perte parce que sinon ça sert à rien. Qu'on arrête tout de suite, on ferme boutique et on arrête. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, ce qui est à venir, je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais non, il n'y a que les tipeurs qui le savent. Donc, ce qui est à venir, voilà. Donc là, je prends mon petit fichier. Alors, à venir. Donc, c'est pas là. On va aller là. J'ai tout mis là. Voilà. Donc, le Kumo P20 là, j'ai le Nokia 6 X6 ou 6 1 Plus qui arrive dans la semaine. Le C12 Pro n'est pas parti de chez Gearbest. J'ai le Omtom S99 qui se retrouve ici. Voilà, j'ai le Omtom S99. J'ai le Kubo J3 Pro. Bon, ça, c'est les téléphones, ça fait presque un mois et demi, 2 mois, qui traînent dans mon tiroir. Mais vu qu'à chaque fois j'ai mieux, ben, du coup, ben, ça attend. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le. Je sais plus ce que c'est. Hein, le Vernier T3 Pro. Ah, ben non, si ça, c'est le Vernier. Ça, c'est le Kubo J3 Pro. Et là, le Vernier T3 Pro. Voilà, bon. Ils sont pas foulés un peu. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai un petit 3G là que je voulais pas faire, mais que du coup j'ai voulu annuler, c'était trop tard. Un Blackview A20 en 3G. Bon, c'est un petit low cost. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Du côté de Jérôme, vous avez vu la vidéo du Vivo Z1. Il va recevoir le 360 de N6. Il a reçu d'ailleurs. Le Gumi K1. Bon, ça, faut que je l'efface parce qu'il a déjà refait. Johnny F6. Le Nubia Z18 Mini. La vidéo va bientôt apparaître. Et voilà. Voilà, et là concrètement, ce qui arrive, c'est où? J'ai pris le Vernier M3, Ligoo M11, Omtom H10, on me l'a demandé, donc je l'ai pris. Le Omtom C2, le Midigi A3 et le Meizu S9. Voilà, ça c'est les nouveautés que j'ai pris, le temps qu'ils arrivent. Et voilà, on va en prendre encore, on essaie d'avoir le Oppo K1. Et c'est quoi Oppo K1? Qu'est-ce que j'ai demandé aussi? Oppo K1 et j'aime ça. Et le Meizu X8 qui est très joli, rapport prix plutôt intéressant. Voilà, bon, on se laisse un peu, on va attendre un peu là, le temps qu'on ait les réponses de tout ça. Sinon, écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Si, un petit live, je vais faire un petit live avec Cédric sur sa chaîne Parcoteam Gaming samedi matin vers les 10h, 10h30.
Donc ça, si vous êtes là, vous pouvez venir. Donc pourquoi pas sur ma chaîne? Ben pas tout simplement parce que je le fais chez Cédric, parce que c'est une chaîne gaming, parce que j'ai envie de faire découvrir sa chaîne parce qu'il fait un boulot de dingue, il est pas remercié, voilà, ça. Il a un peu du mal, il est un peu découragé d'ailleurs. Donc du coup, je le fais sur sa chaîne. Donc vous pouvez venir poser vos questions, vous abonner à sa chaîne si vous avez envie. Et je serai chez lui et on jouera en même temps. Voilà, je préfère jouer en même temps, comme ça moi, enfin on jouera, ben, je ferai une partie, hop, il lira les questions, je donnerai les réponses, hop, on alternera. On ne va pas jouer à deux en même temps, sinon on ne pourra pas lire les messages. Mais voilà, donc ça pourrait être sympa. Donc ce sera samedi matin. Voilà, je pense que c'est terminé. Un petit vlog, peut-être j'en ferai d'autres. Ça peut être sympa. Je sais pas ce que ça va donner. Là, j'essaie de faire, c'est mon premier. J'espère que j'ai pas filmé. J'espère que ça filme. J'espère que ça filme vraiment. Ça est en train de filmer. Parce qu'imagine, ça filme pas. Là, regardez la petite icône, ça filme là parce que vous voyez tout ce que je fais. Parce que si ça filme pas, j'aurais fait ça pour rien et j'aurais perdu un quart d'heure demain matinée. Bon là, je vais aller faire une autre vidéo. C'est un trio de produits AlphaWise que Gearbest m'a envoyé pour promouvoir leur marque. Je vais le faire de suite. Et j'en sors aussi des écouteurs d'Amazon là, des écouteurs. Comme j'utilise pour le sport, je sais plus c'est quelle marque, mais c'est pareil, c'est des sans fil, tout simple, avec une petite boîte de rechargement. Ouf, il va y avoir un petit bruit là. Allez, je pense que c'est bon pour là. Je vous fais de gros bisous et je pense que j'ai tout dit et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.